Tu as quel âge? Je sais pas. Est-ce que je risque d'aller en prison si je te drague? Hein? Est-ce que je risque d'aller en prison si je te drague? Bon, je pense pas, non. Simplement, vous risquez une fessée. En plus, j'ai un martinet. Un martinet en cuir. Là, je me mets en position tout de suite. Vas-y. À côté, c'est très tentant, mais là, je vous assure que j'ai un examen. Je suis obligé plus important que moi. Je crois, oui. Bon, peut-être qu'on se revoit. Écoute, j'ai l'impression que sous ce jean, il y a quelque chose de magnifique qui ne demande qu'à sortir. Fais cuicui, petit oiseau, fais cuicui. Bon, très bien. Bah écoute. Non, mais sérieux, j'aurai mon numéro? Je suis pas si vieille que ça. Hein. T'as quel âge? J'ai de l'expérience. Quel âge, oui, tu me donnes? Mrs. Robinson. Au moins 30. C'est... Au moins 30, bah voilà. 33. C'est un bel âge pour une femme. Je fais mon numéro? T'es chargée de t'aider par hasard? Pardon? T'es chargée de t'aider à SAS, non? Chargée de t'aider à SAS? Non, non, pas du tout. Je sais même pas ce que ça veut dire, chargée de t'aider. Je suis chargée de t'aider, toi? Petit écoute, garçon perdu, comment tu t'appelles? Je veux bien. Écoute, tu peux m'appeler comme tu veux. Hein. Petit garçon perdu? Voilà, c'est très Chouchou. Mignon. C'est très mignon. Chouchouné? Ouais, chouchouné cuicou? Voilà. Non, comment tu t'appelles, dis-moi? Écoute, je te laisse deviner. En revanche, ton numéro, je peux pas le deviner. Ah, si tu veux, tu me donnes un numéro, parce que moi, je suis sûr que c'est très compliqué. Pourquoi? Si tu veux, tu me laisses ton numéro et moi, je te rappelle. Il y a déjà une femme dans ta vie? Non, il n'y a pas très mignon. Plus jeune que vous? Bon, alors si tu laisses mon numéro, tu m'appelleras? Je t'appelle. Ou tu dis ça pour te débarrasser de moi? Ah, pas du tout. Tu me trouves pas chez... Je te trouve très joli, très sexy. Non, je te rappellerai, il n'y a pas de problème. Ah, très bien. Et si éventuellement tu dis que c'est une caméra cachée, que je suis journaliste et que je fais une enquête? Bah, c'est pas grave, au moins j'aurais joué le rôle du teubé, je me serais fait piéger par une jolie fille. Non, pas le teubé. Voilà.